Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 23 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut tout Alors le monde. Jérôme, t'as vu, Oui. voilà, ce soir, Bonsoir Jérôme. voilà, on a Bonsoir. invité du beau monde. On a Merci. les organisateurs avec nous du Festival de la Merveille et des Mystères. Bonsoir Claudine. Bonsoir Antoine, bonsoir Jérôme, bonsoir Bonsoir. Stéphane. Et puis, effectivement, un visage que vous avez déjà vu l'année dernière sur Mimi. Il s'agit de Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir les garçons et bonsoir Claudine. Bonsoir. Salut Stéphane. Donc, ce soir, les amis Mimi, nous allons faire un tour du côté du Festival de la Merveille et des Mystères qui se déroulera au mois de mai. On va en parler en détail. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir créer en Normandie un festival de la merveille et des mystères? Alors, je commence peut-être, voilà. Je Oui, laisserai la bien sûr, parole après à Stéphane, Claudine. commence, Alors donc, commence. l'idée déjà, c'est de réunir les différents acteurs, tous ces gens qui font des travaux divers et variés sur le patrimoine, et de créer un carrefour où enfin on se rencontre, on échange, et puis on propose donc nos approches complémentaires, donc du patrimoine donc architectural sacré, hein. Et la Normandie, c'est vraiment adapté, puisque, et notamment le Pays d'Auge, parce qu'on a de nombreux sites, en fait, assez peu connus, qui ont été peu travaillés, et qui sont souvent dans leur jus, et plein de très anciens aussi, très très anciens, très archaïques, et qui sont voilà, bouleversants, et à redécouvrir, hein. Il y a des régions qui ont été peut-être plus arpentées, je pense à la Bretagne, au point parfois d'ailleurs de rendre les sites un peu trop touristiques. C'est vrai qu'en Normandie, dans le Pays d'Auge, il y a plein de coins à découvrir, parfois complètement isolés, et qui livrent leur lot justement de mystères qu'on essaiera d'élucider. Parce que l'idée, c'est que tous les intervenants donc vont parler du patrimoine à travers leur référentiel propre. Hein, je pense par exemple à quelqu'un comme Éric Le Saint ou à Mathieu Lavaux. Moi, j'aborderai le patrimoine du coin quand même sous l'angle du symbolisme. Il y aura des historiens, il y aura Philippe Piénard qui parlera de la présence templière en Normandie. Bon, donc après, il y a des gens qui aborderont les choses parfois à une échelle plus vaste que celle de la Normandie. Mais l'idée, c'est que chaque intervenant quand même porte un regard, même bref, sur les sites locaux, et qu'il montre comment finalement son référentiel est pertinent, son mode d'approche est pertinent dans le sens où il est en mesure, enfin il permet de proposer une lecture des sites locaux qui est intéressante et qui sera souvent inédite. Et de ce point de vue-là, on a déjà, je pense, quelques trouvailles qui ont été faites par Mathieu Lavaux notamment, voilà, Éric Le Saint, que les gens pourront découvrir au moment du festival, au mois de mai. On va détailler tout ça avec le programme que je vais partager. Alors, voici donc la plaquette du Festival de la Merveille et des Mystères. Alors déjà, Claudine, ça se Oui. passe quand? Ça se passe du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai 2023. D'accord. C'est en soirée, c'est en journée Alors, ça commence à ça partir du s'organise vendredi comment? soir jusqu'au dimanche après-midi, fin d'après-midi, et ça se passe dans la ville de Livarot, dans le Pays d'Auge. Alors Il y pour aura deux les... endroits de projection. Le premier endroit au cinéma Le Parc à Livarot et l'autre endroit au manoir de Lille. D'accord. Donc projection signifie que entre autres, en plus, on va dire des conférenciers, donc il y aura la possibilité de voir des films documentaires. Absolument. Alors là, je laisse la parole à Stéphane parce que c'est lui le spécialiste de la ligne éditoriale. Voilà. Alors oui, donc avec notamment donc un invité principal qui est Marc Bielli. Voilà, Marc Bielli, donc on verra plusieurs de ses films le vendredi soir, les lignes 366, après une intervention de Quentin Leplat, justement qui nous parlera de cette approche, bon, qui a été controversée, mais qui est intéressante, hein. C'est un référentiel parmi d'autres, et il est intéressant de montrer en quoi il apporte un éclairage, tout en ayant conscience des limites que peut avoir cet éclairage.
Mais donc Quentin nous montrera que justement les lignes d'or, elles passent pas très loin de l'Ivaro, hein, dans un petit patelin qui s'appelle l'Isor, donc un lieu isoré. Bon, ça c'est Quentin qui le développera. Donc ça c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, d'ailleurs, avant le premier film de Marc, on fera une petite présentation du festival. Donc on présentera bien entendu le programme, on le détaillera peut-être devant les festivaliers. Puis on commencera d'abord, comme c'est indiqué là sur la page que vous voyez à l'écran, on commencera par définir justement les notions qui sont inscrites dans l'intitulé du festival, les notions de mystère, les notions de merveille. Alors, ça nécessite d'être observé de près. D'ailleurs, le fait qu'on ait dit le mystère, enfin la merveille et les mystères, c'est une façon d'amener à réfléchir à ce que c'est que la merveille, qu'un petit peu le point, enfin l'aboutissement des cultes à mystère, hein, qu'on retrouve depuis la nuit des temps. Et la merveille, c'est un peu le résultat en fait du processus qu'on a suivi dans les initiations mystériques. Donc il y a les mystères d'Isis, il y a les mystères d'Éleuther, il y a les mystères de Cérès, il y a eu toutes sortes de processus de formation et d'initiation dans les civilisations qui nous ont précédés. Et ça, c'est Françoise Mordet qui nous en parlera d'ailleurs très bien le samedi dans une de ses conférences, et qui nous expliquera que justement, nous, on est des héritiers qui avons perdu un petit peu le contact avec ces façons de penser et cette idée que un humain, il est peut-être sur Terre pour évoluer et s'élever dans l'échelle des niveaux d'être ou des niveaux de conscience. Alors, donc je reviens à Marc Bailly, donc qui est notre invité principal, donc qui a projeté un certain nombre de ses films, dont d'ailleurs celui qu'il est en train de tourner sur la base de mon livre Métanoïa. Et donc il y aura une première de la projection. Alors le film ne sera pas complètement terminé, mais on aura suffisamment de quoi montrer pour échanger aussi autour de ce thème de la métanoïa. On aura le champ bord aussi de Marc Bailly. Et puis après, bon bah la salle de projection, la salle de cinéma Le Parc, elle permettra aussi à d'autres intervenants de montrer des images, forme de PowerPoint, de photos pour illustrer leurs interventions. Donc on a une Ça très belle salle de cinéma. se passe ici, c'est Ça ça la c'est le première. manoir de Lille, ça. Alors le manoir de Lille, on va plutôt l'occuper le samedi, parce que le samedi à Livarot, depuis des générations et des générations, il y a la confrérie des fromagers. Et en Normandie, on ne déplace pas une confrérie des fromagers, donc ils occupent le cinéma. Et donc on récupère la salle du cinéma Le Parc le soir pour justement la projection d'une première de Métanoïa, suivie de Chambord, le secret de François Ier. Après toutes ces interventions, qu'elles soient cinématographiques ou que ce soit des conférences, seront suivies d'échanges avec le public qui seront ordonnés Oui, il y comment aura une dire, table ronde et canalisés, il y aura tout à fait. voilà, par des intervieweurs et des gens qui ont l'habitude de s'exprimer en public. D'ailleurs, vous deux, vous ferez peut-être Oui, partie de voilà. Il ces paraît que qu'on sera là avec Jérôme. de Tout ces à fait. Oui. intervenants. Voilà. Sinon, on aura Philippe Piédard qui animera un petit peu tous les débats le samedi. Le samedi, c'est plutôt consacré aux approches un peu philosophiques et historiques du patrimoine. Et puis le dimanche, là, on a plutôt les gens du terrain, la géographie, la géométrie. Et là, les échanges seront plutôt animés par Rémi Pecaud. Mais après, tout le monde est invité à participer tout le temps. Mais il y aura un animateur principal, donc le samedi, Philippe Piénard, et le dimanche, Rémi Pecaud de l'Observatoire du Réel. Okay. D'ailleurs, le dimanche, on aura une conférence de notre ami Éric Le Saint, Oui. qu'on va bientôt voir sur ta chaîne, Jérôme, à nouveau. Et oui. Et oui. Ouais. Alors, je l'ai Et eu au téléphone cet bah. après-midi, il a plein, plein, plein de choses, ça déborde là de trouvailles. Donc, Il il est sur les chapeaux de roue, il est prêt à nous livrer toutes est ses chaud, il est sens. chaud. Voilà. Mais Mathieu Lavaux, je pense qu'il a aussi. Il nous concocte quelques petites révélations, notamment sur le rapport entre son centre à lui qui s'appelle Cairn, je crois.
et qui serait relié à Lisieux selon un rapport mathématique bien connu que je ne dont je ne ferai pas le bail, comme dirait ma fille, ce soir, voilà. Donc il a découvert qu'à Lisieux, il se passait quelque chose qui m'étonne pas trop. Et Lisieux, Livarot, c'est juste à côté de Lisieux. Je pense que les gens connaissent bien Lisieux, un peu moins Livarot. Pour situer Livarot, c'est à 17 km de Lisieux, ça c'est important de le savoir. Et il y a la ligne Paris-Caen, Paris-Cherbourg qui s'arrête à Lisieux, donc c'est relativement facile d'accès. Il y a des cars qui font la navette entre Lisieux et Livarot. Il y a plein de possibilités d'hébergement, hein. Il y a de magnifiques maisons d'hôtes, des manoirs à foison. Après, c'est vrai qu'il faut s'y prendre peut-être un petit peu pas trop tard. Et il faut aussi venir avec un grand sac parce que Livarot, c'est quand même un endroit où ils font l'un des meilleurs fromages de France. Alors voilà, C'est clair, je c'est le dis et clair. je Ouais, l'assume. ouais, ouais. Et puis il y a un Donc musée du voilà. fromage à Livarot, un musée du fromage et une boutique fromagère où on trouve même des choses qu'on ne peut pas imaginer en termes de fromage, hein, bien sûr. Hein. Oui. D'accord. Alors donc on a vu le programme qui est vraiment complet. Vous avez une capacité d'accueil de combien de personnes du coup? Alors, la jauge du cinéma, c'est un cinéma un peu à l'ancienne, type grande salle des fêtes avec un grand écran, une estrade sur laquelle on pourra d'ailleurs organiser des tables rondes. Et la jauge de la salle, c'est 290 places à peu près. Oui, mais, On oui. a la possibilité d'éventuellement d'ajouter quelques. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut réserver le plus tôt assez possible. rapidement. Et pour les Voilà. conférences, ça peut monter un peu plus. Alors les conférences qui vont avoir lieu au cinéma Le Parc, c'est la même jauge, hein. Ouais, d'accord. Après, dans le manoir de Lille, on doit avoir un peu moins de place, mais après, on peut s'organiser. Il y a un grand parc, s'il fait pas trop mauvais, on admet, Oui. on peut supposer qu'il fera de Il toute faudrait des façon assez tentes. doux. Il y aura des tentes, etc. Donc on peut accueillir quand même. De toute façon, on peut accueillir 290 festivaliers sur les 3 jours sans problème. Après, s'il y a besoin de s'agrandir un peu, on a l'intendance pour le faire D'accord. et accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Alors, Donc, dans le programme, pour finir ce programme, parce qu'on va peut-être passer à autre chose après, il y a quand même aussi, on a quand même une chance, c'est que j'ai obtenu l'accord de Madame Barba Negra de faire un montage des films de Paul Barbanegra, je ne sais pas si nos alors, est-ce que auditeurs tu peux le remettre connaissent. le contexte pour ceux Ah, qui ne en fait, connaîtraient Paul pas? Barbanegra, il est un des premiers à avoir filmé justement le patrimoine sacré de façon pas simplement archéologique ou historique. C'est-à-dire qu'il a posé un regard poétique et philosophique sur le patrimoine philosophique sacré. Donc, il a fait un film sur le Mont-Saint-Michel, il a fait un film sur l'île de la Cité, d'ailleurs avec un scénariste qui était Jean Faure. Je ne sais pas si les gens connaissent Jean Faure, hein, mais c'est la barque 10, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font référence à Jean Faure sans forcément l'avoir lu. Et sans savoir d'où viennent leurs références, Jean Faure, c'est un des grands ouvreurs de pistes sur le patrimoine sacré, ou un des grands réouvreurs, initiés, je ne sais pas comment, mais en tout cas extrêmement bien informés. Et donc, il a scénarisé un certain nombre des films de Paul Barbanegra. Paul Barbanegra a fait aussi un Osiris, par exemple, qui est une merveille. Alors, c'est des films qui demandent une certaine attention. Il a fait une série de 12 films qui ont été réalisés et entre les années 68 et 85, si je me trompe pas. Et ça passait donc sur. Donc, il y a eu des gros budgets parce que c'est une époque où il y avait encore une certaine souplesse de pensée et pas de tabou par rapport à tout ça. Et c'est passé en prime time, on dirait aujourd'hui, de la première chaîne, je crois. Donc il y a eu une série de 12, ça a été vraiment un énorme succès. Voilà. Et tous ces films, on peut les trouver, ils sont accessibles à l'INA, et ils ont été recolorisés récemment, restaurés, et donc ils sont de bonne qualité. Et donc on a obtenu l'autorisation de faire un montage. En fait, on fera un montage, je pense, d'1 heure des passages emblématiques de pas tous ces films, mais certains d'entre eux. D'ailleurs, peut-être que si le festival se perpétue,
On prendra l'habitude de projeter peut-être un film en entier de Paul Barmalégra. Mmh. Et puis, on aura le témoignage de Françoise Bonnardel, parce que Françoise Bonnardel était très proche. Elle, c'est une amie de Madame Barmalégra. Elle a très bien connu Paul Barmalégra et elle nous parlera donc de cette personnalité hors norme. Comme on aura d'ailleurs un hommage à Georges Vermar et qui nous fera peut-être une petite intervention à distance. Et c'est Mathieu, bien sûr, Lavaux, qui se chargera de cet hommage à un des autres pionniers, hein, de cette recherche, hein, sur le patrimoine, dont on est les héritiers. Voilà. J'espère qu'on est, comme dirait Françoise Bonnardel, de dignes héritiers. On va essayer. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la page d'Helloasso où voilà, vous allez pouvoir vous connecter dessus et on va vous expliquer comment quels vont être les tarifs et comment faire pour pouvoir participer à ce festival. Alors, vous trouverez le lien, bien entendu, dans la description de notre vidéo. Alors, ce n'est pas un crowdfunding, même s'il y a un objectif. C'est bien comment dire, un site pour précommander finalement les billets d'entrée. Alors, l'idée, c'est de proposer un tarif privilégié aux gens qui veulent contribuer au préfinancement du projet. Voilà. Donc, on va maintenant passer en détail et en revue les différentes contreparties que vous proposez. Alors, la première, il n'y a pas de contrepartie, c'est vraiment plus un don pour les personnes qui veulent soutenir votre association et qui, pour raison X ou Y, ne pourront pas être là au mois de mai, soit parce que les dates ça colle pas, soit parce que ils habitent à l'autre bout de la terre. Et voilà, s'ils veulent vous soutenir, ils peuvent au minima proposer 22 euros. Et le second, c'est à peu près pareil, mais en plus, pour 11 euros de plus, par contre, ils auront accès aux liens de toutes les vidéos qui seront tournées pendant le festival. C'est ça, Claudine? Oui. Aussi bien par vous, les garçons, que par Marc Bielli, qui viendra aussi avec sa caméra. Donc il y aura des interviews, puis il y aura des captations des tables rondes, des différentes interventions. Oh oui, bon, on va venir avec notre matériel, avec Jérôme. Ouais. Avec ton Voilà. matériel, Antoine, surtout. Oui. Alors, dans les montants de dons, il faut quand même spécifier que si vous voulez mettre que 5 euros ou 10 euros, ça peut aussi participer à l'œuvre qu'on essaye de mettre en place. Ouais, tout à fait, là, c'est électron Voilà, libre à ça la s'appelle fin, vous électron libre. pouvez. Voilà. Vous choisissez des montants. Par exemple, si vous voulez mettre 80 euros au lieu de 70 euros, bah, vous aurez les contreparties du don inférieur, c'est-à-dire les contreparties de le passage si vous mettez 80 euros. Voilà. Après, ouais, c'est plutôt pour les petits dons, en fait, ce principe de l'électron libre. D'accord. Alors ensuite, on a des dons où là, cette fois-ci, on va pouvoir acquérir le forfait 3 jours. Ce bon qu'on vous explique en 2 mots. Vraiment, l'idée du crowdfunding, c'est de permettre d'aider l'association à monter le festival le plus rapidement possible. Et donc, on ne propose à travers ce crowdfunding, quoi. Vous ne proposez à travers ce crowdfunding que le forfait 3 jours. Après, si vraiment il y a des personnes qui ne peuvent venir que le samedi, par exemple, là, ça sera possible, mais en dehors du crowdfunding, avec la billetterie sur En place, par place, exemple, pour pouvoir acheter un billet unique. Mais là, donc, c'est vraiment focalisé sur le forfait 3 jours. Et donc, pour 70 euros, alors vous avez et le forfait et en plus l'accès à toutes les captations qui seront faites. Plus le fait que ça soutienne l'association. Donc c'est le forfait, le passage pour les 3 jours. Ensuite, vous avez le forfait La Merveille. Bon, Stéphane, si tu veux l'expliquer, ce forfait-là. Oui, alors c'est pareil, hein, donc on bloque votre forfait 3 jours.
Alors, on a mis donc la valeur actuelle du forfait 3 jours 50 €, mais à partir du moment où le crowdfunding s'arrêtera et on mettra en place la billetterie, il va de soi que le forfait 3 jours sera d'un montant supérieur, certainement à hauteur de 50 €, 200 €, pardon. Donc, c'est-à-dire que là, le forfait 3 jours est soldé en quelque sorte, ou en promotion. Et puis donc, pour ce montant de 111 € qui correspondra à peu près en fait aux 3 jours en tarif billetterie normale, vous avez en plus les liens vidéo, comme pour les autres dons, et puis une visite philosophique du patrimoine que je Réalisé mènerai par tes d'ailleurs, soins, que voilà. voilà, réalisé par mes soins exactement. Après, T'as deux sites de oui, alors prédilection. c'est soit à Paris, donc moi j'ai le chemin initiatique de Montmartre, bien entendu. Il y a aussi l'axe du Louvre, hein, ces deux sites que j'arpente régulièrement, sur lesquels j'emmène des visiteurs. Et puis aussi des sites de la région normande. Alors ça peut être aussi bien d'ailleurs Étretat, parce que j'ai fait un travail récemment là sur Étretat, que quelques sites du Pays d'Auge, les fontaines guérisseuses dont je parlerai voilà, au festival, et puis ça peut être aussi à Lisieux. Enfin, ça je ferai une proposition à ceux qui auront fait ce choix de la merveille, et puis on déterminera au coup par coup la date donc, et le lieu de ces visites. Voilà, donc il y a quand même pas mal de possibilités, et c'est C'est une vrai demi-journée, que. hein, cette visite qui une demi-journée, il faut compter entre au moins 3 heures, quoi, entre 3 heures et 4 heures. Donc c'est une visite d'une demi-journée. Avec des bonnes chaussures. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Ensuite, le nombre d'or. Alors là, le nombre d'or, donc ce sont les mêmes contreparties que pour la merveille. Donc vous avez votre forfait 3 jours, vous avez bien sûr les liens vidéo, la visite. Donc alors c'est pour une personne, bien entendu, avec Stéphane Levaché sur les sites qu'il a énoncés, plus un exemplaire dédicacé de ton livre qu'on a présenté, hein, l'année dernière, Ouais. Métanoïa, donc qui sort Bah là pour le très mois de mai, bientôt. voilà, j'ai envoyé aujourd'hui le manuscrit. Il sera prêt, il sortira du four pour le festival. Il va être publié donc chez Hermésia qui a été racheté par Pictos. Voilà, donc ce sera prêt pour le festival. Ok. Voilà. Alors, pour la suivante et la dernière, donc il n'y a pas une erreur, il manque pas un point là dans le chiffre. Donc c'est bien 1235. Alors tu nous expliqueras pourquoi pas 1240 ou 1230. Hein, il y a peut-être Ah, une symbolique Fibonacci. de Ah, Fibonacci, mais tout est classique. à observer avec Voilà. Merci oui. Jérôme. Avec attention. Ben Voilà. Et donc, On s'amuse un peu avec nos avec la les symbolique. éléments de avec la symbolique et puis avec tous nos repères et nos notions. Donc, deux forfaits 3 jours, donc pour deux personnes, deux emplacements privilégiés, vous serez au premier rang, plus deux visites philosophiques, forcément aussi le livre, et un panier saveur locale et champagne, donc vous aurez du Livaro, c'est sûr. Ah bah oui. Alors, là très Et un clairement, champagne c'est de grande pour. qualité. Ah ben, j'espère bien quand même. Alors donc Parce la que. différence c'est que c'est pour les jours qui ont un peu d'argent quand même, voilà, et qui C'est ça, c'est pour les en mécènes. fait oui des mécènes, voilà, avec l'avantage de la défiscalisation. Oui, Voilà, c'est ça important qui est ça. important. Alors la défiscalisation d'ailleurs elle est aussi valable pour les petits montants de 22 et 33, parce qu'après les autres montants, comme les contreparties sont assez conséquentes en termes d'équivalent argent, donc pour avoir droit à la défiscalisation, il faut que les contreparties soient inférieures à 25% du don. Donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas applicables, enfin la défiscalisation n'est applicable qu'à aux deux premiers montants, 22 et 33 €, et à C'est ça. partir donc de 2 235 €. Voilà. Ou si vraiment vous voulez Et défiscaliser, 75% de ça peut aller jusqu'à 75% hein, de si défiscalisation. vraiment voilà, vous voulez défiscaliser, il n'y a pas de souci. Vous rajoutez 333 € à la merveille, et là, vous Oui, pourrez voilà, être défiscalisé de oui. 75%, Voilà, ouais. tout Oui, voilà. simplement. Faut que le montant soit inférieur au quart du don. Voilà, il y a toujours moyen. Donc, eh bien, écoutez, bon, on a fait le tour. Je vous laisserai cliquer sur toutes les vidéos de présentation sur. Ah, tiens, Claudine, on Et la te bande-annonce aussi, il y a la bande-annonce qu'il reconnaît. faut Ah, la absolument bande-annonce, oui. voilà. Exactement. Voilà, on vous laissera regarder tout ça Découvrir tout ça. directement sur le site. Donc,
de l'association du festival La Merveille et les Mystères. Allez, un petit dernier mot sur le logo. Ah oui, alors le logo, il nous a demandé beaucoup d'attention, de soins, de concertation aussi. Et bah, chacun de rêver à la forme qu'on a tracée, qui est bien entendu puissamment symbolique. Voilà, il y a peut-être une tête de quelque chose à voir, je n'en dis pas plus. Et puis justement, on a aussi un Facebook et on a proposé donc aux gens qui commencent à nous suivre sur Facebook de nous envoyer des petites créations autour de ce symbole. Et j'ai un ami notamment qui a fait un gâteau d'anniversaire là pour ses 60 ans le week-end dernier et qui a fait un magnifique magnifique logo sur son gâteau d'anniversaire. Donc si vous avez envie, voilà, de vous amuser avec ce symbole qui est quand même, c'est un idéogramme, hein, donc qui est puissamment signifiant. Bah, n'hésitez pas, envoyez-nous vos créations. Ok, eh bien écoute, tu sais quoi, je vais t'envoyer la mienne, je vous la montre. Ah super, tu l'as Je là? partage, bah ouais, je l'ai Ah faite. ouais, je Je vous pense qu'il partage. est. On a un sculpteur derrière qui va nous faire une œuvre en métal. Il sera exposé à l'entrée. Voilà, voilà ce que ça a donné avec une intelligence artificielle lorsqu'on lui soumet votre logo. Ah ouais. Ça alors? Ça alors, ouais. C'est étonnant. Tu as utilisé Étonnant, quoi ouais. comme logiciel, comme Midjourney. application? C'est avec Midjourney. D'accord. Et C'est ça a été étonnant, ouais. réalisé. Comment. Hein? Ouais. L'interprétation qui l'en Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est une belle chose. Ouais, Voilà. c'est Ouais. génial. Voilà, après sur le Étonnant. Facebook, on va aussi essayer de créer un peu une émulation. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé à chacun des intervenants. Donc, on va présenter par des petits posts. J'ai déjà fait avec Françoise Bonnardel et puis Éric Le Saint. Et on va essayer en fait, déjà de commencer un petit peu à dialoguer, échanger entre nous. Et puis chacun aussi fera une petite vidéo dans laquelle il présentera, comme nous on l'a fait entre nous, là, entre Claudine, Nicole et moi-même, on a déjà fait des petites vidéos où chacun voilà, développe certaines questions qu'on pourrait nous poser sur le festival. Et donc chacun des intervenants, dans le cours là, de la durée du crowdfunding, voilà, postera voilà, des petites vidéos où il expliquera ce qu'il fera, quel type de découverte il nous amènera. Et puis, voilà, témoignera de sa satisfaction de participer à ce bel événement dans une ville qui est très sympa en plus, hein. C'est une petite ville pleine, pleine d'enthousiasme. On a eu un bon accueil de la part de la municipalité. On a aussi un soutien de notre député là, qui est arrivé récemment, donc on en est ravis. Et puis, il y a une belle énergie, là, belle énergie et une volonté de partager, voilà, nos visions, nos perceptions, nos imaginations de ce patrimoine que nos ancêtres se sont donné la peine de nous léguer pour que nous en fassions quelque chose, nous comprenions ce qu'ils ont voulu nous dire, qui n'est pas forcément d'ailleurs apocalyptique, hein. Les gens pensent souvent que c'est forcément des horreurs, mais il y a aussi des messages d'espoir et des pistes à suivre qui nous sont donnés par tous ces éléments qu'on trouve un peu partout, en fait, hein, sur notre très beau territoire, et normand, mais aussi français, hein, comme on le verra avec Mathieu, par exemple, ou Eric, ou Quentin, et puis d'autres. Voilà. Puis on a la chance aussi d'avoir des personnalités remarquables, hein, comme Françoise Bonnardel, hein, c'est quand même un ponte, je dirais, de l'hermétisme, de la chimie, du bouddhisme. Enfin, son œuvre est considérable. On s'en rendra compte certainement un peu tard. Philippe Piénard aussi, qui est vraiment un grand, grand penseur de tout ce qui est patrimoine templier et empreinte templière sur notre territoire aussi. Enfin bon, je pense qu'il y a de quoi passer 3 jours formidables, en bonne compagnie et dans un environnement en plus qui est charmant. Donc, on vous rappelle, c'est du 12 au 14 mai. Ça se passe en Normandie, dans le pays de Livarot.
Voilà, et il faut effectivement vous encourager parce que c'est une première, ce genre de festival. Oui. Et puis si ça marche, ça signifie qu'il y aura une deuxième, et puis une troisième, et puis voilà, ça, Oui, parce vous qu'on êtes manque peut-être pas de à un matériaux, hein. rendez-vous, Voilà, voilà, on manque c'est pas de ça. matériaux et d'intervenants. C'est un rendez-vous que vous allez peut-être pouvoir créer annuellement Tout à si fait. nous répondrons tous présents au rendez-vous. Exactement. Voilà. Voilà. Allez, et puis juste pour finir, hein, parce que Ah autant. Bon. oui. Ah, super! Eh oui, parce que notre ami Stéphane Levaché, voilà, nous Ouais, a fait le j'attends le plaisir. format papier. Alors, il est magnifique, hein, bravo, hein. Et oui, il est très, très, très Ah beau. oui, magnifique, ouais. Non, mais ça attise notre désir, c'est bien d'attendre Ben, aussi. c'est Moi, bien, j'aime bien oui. attendre. C'est Je vais voir ça. dans ma boîte à lettres, là, dès demain matin, à Oui. nouveau. Voilà, ben, je vous remercie les amis. Ouais, bah merci à vous Ben, encore une merci fois de nous beaucoup, c'est accueillir, voilà. sympa. Ouais, on a bien hâte, Voilà, merci avec à vous. Antoine, de participer à ce festival. Oui, C'est ça sera un génial. bonheur, voilà, Ben, ce de sera un se vrai voir bonheur, oui. à nouveau. Merci encore Antoine, Voilà. merci Jérôme, merci Stéphane. Et puis Et à bien, très bientôt. à très Voilà, bientôt. à Merci très à tous les deux. bientôt. Ciao, Merci. ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.